très heureux aujourd'hui de vous faire découvrir une œuvre magnifique, cette fresque murale réalisée ici à l'entrée historique du Hara. Ce projet de fresque murale s'inscrit dans un projet plus vaste de réaménagement de l'entrée historique du Hara, qui lui-même s'inscrit dans un projet encore plus vaste de valorisation du Hara. Vous le savez, dans le cadre de l'opération Action Cœur de Ville, nous avons fait de la valorisation du Hara un de nos projets structurants. L'opération Action Cœur de Ville, vous le savez, c'est un programme partenarial. Aussi, je voudrais remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent dans ces réalisations, ceux qui les financent. Et je voudrais aussi remercier les services de la ville qui s'impliquent tous dans leur domaine d'expertise et de compétences pour faire d'Action Cœur de Ville un projet fort de notre mandature et redynamiser le centre-ville de Tarbes. L'aménagement de l'entrée historique du Hara s'articule autour d'un volet paysager, un volet mobilité, mobilité douce, parking avec des branchements électriques pour les véhicules électriques et un volet évidemment culturel et patrimonial avec cette magnifique fresque du street artiste Adec. Ce choix de fresque s'est fait, ce choix du projet s'est fait par un jury qui s'est réuni durant le mois de juillet et a eu examiné une vingtaine de propositions, une vingtaine de candidatures. Et c'est à l'unanimité que le projet proposé par Adec a été retenu parce qu'il parlait de l'identité de notre ville autour de la thématique du cheval, il parlait des hommes qui font notre ville, des hommes et des femmes, et surtout il apportait un supplément d'âme à cette entrée historique en lui donnant une couleur toute particulière. Venez la découvrir et surtout partagez les photos que vous réaliserez sur Instagram, sur les réseaux sociaux, parce que ça nous permettra de parler du Hara, de parler de cette fresque et de parler de la ville que nous aimons.